Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui une petite recette, pas comme d'habitude, voilà, c'est pas un gâteau, c'est pas des petits muffins. On va faire une salade taille de bœuf avec des nouilles. Voilà, vous allez voir, c'est pas mal, ça se laisse manger assez bien. Donc c'est à peu près une recette pour deux bons mangeurs, voire quatre, ça dépend, voilà. Donc, mais avant qu'on commence cette vidéo, si vous êtes encore pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. C'est le petit bouton qui ressemble à ceci que vous avez en bas, de liker, de partager, enfin... Vous savez quoi faire. Bon, on va pas traîner et puis on va regarder ce qu'on a besoin. Allez, c'est parti, générique. Bon, allez, c'est parti. Alors, pour les ingrédients, déjà, tout bêtement, vous avez besoin de nouilles. Voilà, de nouilles sèches, il vous faut 200 grammes. Là, j'ai ce qu'il me faut. Il vous faut, évidemment, du sel, voilà. Vous avez besoin d'un citron vert. Ensuite, on a besoin d'un petit peu d'huile de colza. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre autre chose, ça ira aussi. Vous avez besoin de la sauce soja. On a besoin aussi d'un petit peu de miel, voilà. On a besoin, évidemment, des oignons tiges. Un petit peu de piment pour les plus téméraires. Et évidemment, il nous faut une belle entrecôte de bœuf et un petit peu de poivre. Ok, bon, bah c'est pas tout, on va attaquer ceci et je vous donnerai toutes les quantités en barre d'informations sous le titre, hein. Bon allez, c'est parti, on attaque. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que on a mis déjà notre eau à chauffer ici pour cuire nos nouilles. J'ai mis un petit peu de sel dedans, ça ira très bien. Donc ce qu'on va faire, on va déjà s'occuper de la vinaigrette. Alors j'ai déjà coupé mon citron en deux, vous pouvez garder une moitié justement pour remettre en déco et puis l'autre partie on va la presser. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite dedans on va mettre une cuillère à café et d'huile, voilà. Donc j'ai dit, elle est là, hop là. On va mettre une petite cuillère à café d'huile, hop. Ça sert à rien d'en mettre trop. On rajoute aussi le sauce soja et le miel. Donc il nous faut deux cuillères à soupe de sauce soja. Hop, hop, ça, c'est bon. Et il nous faut aussi une demi-cuillère à café de miel. Voici un petit peu plus, hein, c'est pas bien grave. Voilà, bon, il y a un petit peu plus, hein. On va pas chipoter. Voilà. Voilà, notre vinaigrette, elle est presque prête. Bon, on a l'eau qui commence à chauffer, donc c'est très bien. Donc on va rajouter nos nouilles à l'intérieur. Hop. Enlever, pas de gâchis, ça ce sont des nouilles, hop là. Et là on est parti à peu près pour 3-4-5 minutes de cuisson, ça va aller assez vite. Bon, pendant que nos nouilles sont en train de cuire, là on va descendre un petit peu le feu parce que ce sera un peu con que ça déborde. Notre vinaigrette, elle est déjà prête, donc on a déjà fait la moitié du chemin. On va s'occuper tout bêtement de notre de nos petits oignons tiges. Hop. Alors il n'y a rien de bien compliqué. Ce qu'on va faire, on va couper la tête, hop là, ici. Là on coupe aussi
le petit bout arrière, ça, poubelle. On va enlever la première couche sur notre oignon, là, voilà. Et voici, il n'est pas beau comme ça. Maintenant, plus qu'à le découper. Ah, là, il y a encore la petite pellicule. Voilà. Et on fait la même chose pour les deux autres. Bon, voilà, nos nouilles sont prêtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre le feu. On va déjà les égoutter. Et j'arrive. Bon, voilà, les nouilles sont égouttées. Ce qu'on va faire, faut qu'on prenne un petit bol. On va transférer nos nouilles à l'intérieur. Voilà. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre notre vinaigrette qu'on a fait et on va déjà mettre, allez, à peu près la moitié, voire un peu plus à l'intérieur. Voilà. On va s'en garder un petit fond pour mettre par-dessus après, parce que là, on aimerait qu'en fait, les nouilles s'imbibent de la vinaigrette. Voilà, maintenant ça, on peut laisser de côté. Là, on va faire venir notre steak, notre petite entrecôte. On s'occupera de nos petites cives, nos petits oignons nouveaux d'ici peu. On va d'abord s'occuper de ceci. Donc là, on va démarrer plaque, feu à fond. Hop. Alors certains c'est l'avant, d'autres pas. Moi, je vais commencer tel quel. Et je mettrai un petit peu à la fin. On verra. On va attendre que ça commence à chauffer. Et puis dans la sauce, si vous voulez, dans le restant, vous pouvez mettre un tout petit peu de piment si vous avez envie. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais tout de suite en prendre. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà. Vraiment léger. Juste pour que ça donne qu'on ait le petit côté relevé, mais juste ce qu'il faut. Alors là, ma plaque, elle commence à chauffer. On va attendre qu'elle soit bien chaude. Et on mettra ceci directement à l'intérieur. Ma plaque a l'air d'être bien chaude. Donc on prend la petite entrecôte. Hop. Vous voyez, ça chante direct. Donc là, on va laisser à peu près 3 minutes de chaque face, à peu près. Mais entre temps, ce qu'on va faire, on va s'occuper de nos petits cives. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on peut déjà couper. Là, on va déjà couper le petit bout des rondelles. Et après, on s'occupe de l'autre côté. Et on va pas s'enquiquiner, on va tout de suite prendre la totalité. Si on va plus vite, hop, et on coupe. On fait des petites rondelles. Hop, et voilà, hop, et tout ceci on réserve dans une assiette pour mélanger après notre salade. Et là on a tous les ingrédients, la cive, le cive qui est prête, l'oignon nouveau si vous voulez, nous avons les nouilles qui sont en train d'imbiber dans la vinaigrette où il y a une bonne petite odeur de citron et de sauce. Et là on a l'entrecôte qui est en train de cuire, et du moment que ça sera cuit, et ben on pourra la trancher et l'intégrer. Bon, on va retourner ça. On est pas mal. Bon, ben voilà, cette fois, notre entrecôte, elle est cuite, donc on la débarrasse. Hop.
La poêle, on n'en a plus besoin non plus. Allez, hop, on va prendre une petite assiette. Là, maintenant, on va s'occuper, on va s'amuser à trancher notre entrecôte. Voilà, c'est pas mal, pas mal du tout. Hop, ça, on reprend à l'intérieur. Et voilà, donc maintenant, on va trancher tout ça et on se retrouve après. Bon, voilà, notre belle entrecôte, elle est coupée. Là, elle est bien là, on voit bien, elle s'étend. On va goûter quand même un morceau. Super tendre, c'est juste magnifique. Donc maintenant, on met un petit coup de nettoyage où on a coupé ceci. Et maintenant, on passe au dressage. Donc, on a besoin d'une assiette propre. On récupère nos nouilles. Donc maintenant, ce que vous faites, un petit peu de nouilles au fond, proprement. Vous verrez, il n'y a rien de bien compliqué, hein. Et ça prend pas beaucoup de temps à faire. Hop. Là, les nouilles, on est bon. Ensuite, vous prenez ceci. Hop, vos petits oignons, vous parsemez par-dessus. Hop. Et après, vous disposez un petit peu de votre entrecôte par-dessus. Et pour finir, vous reprenez un petit peu de votre sauce que vous avez fait. Et vous mettez 2-3 cuillères dessus pour que tout le monde puisse en avoir. Et voici. Et voilà, donc nous avons fini notre petite recette. La voici, notre petite salade de bœuf. Salade thaï au bœuf et aux nouilles de riz. Voilà, avec une petite sauce fort sympathique. Donc on va quand même goûter. Alors, là, les petites nouilles, on va prendre un petit peu de tout avec un petit morceau. N'oubliez pas de saler et de poivrer un petit peu, mais c'est juste parfait, c'est juste magnifique. Donc moi, je vais finir ma petite assiette. Et puis, à vous de jouer, hein. Donc en tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et votre famille, et on se voit tout bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao ciao.